Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, en ce lundi, petite vidéo sur le jeu Lumberjack. On était arrêté dans la dernière vidéo à la récupération de ce bon vieux tracteur. Et là, aujourd'hui, on va aller récupérer la remorque qui va avec. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, ça s'est bien passé. Je vous ai fait un live hier. Je suis désolé carrément oublié de régler le son pour entendre les véhicules dans le jeu. Là, le réglage est parfait, donc j'espère que ça ira, qu'on m'entend bien et qu'on n'entend pas trop le bruit des véhicules en même temps. Non, espérons que les réglages sont parfaits. Donc. Là, on est avec le vieux tracteur de base du jeu. Vitesse maximale 23 km/h. Et là, on va aller faire la mission qui nous rapportera la remorque porte-grume. En espérant, non, parce que je fais l'effet en solo. Et ça va assez bien. Donc, bien sûr, ce week-end, il y a eu une mise à jour du jeu. Nombreuses corrections du jeu en fait, finalement plus de corrections du jeu qu'autre chose. Donc les nouveaux gros véhicules ne sont pas encore débloqués. Vous voyez le camion là, il n'est pas encore débloqué, rien n'est débloqué encore. Là c'est juste des patchs corrections. Voilà, c'est ce remorqueur que je disais. On va récupérer, et pour ça, il faut travailler pour le monsieur qui voudra bien ou pas nous la donner. Donc nous voilà. Donc, il va falloir travailler pour le monsieur. Pour l'instant, mesdames, on ne peut pas les draguer. On peut rien faire. On y va la tête qu'elle a. Hi there. Hello, can I help you? I was just passing by. Do you want to buy? As a matter of fact, what a coincidence. Donc, on va zapper tout ça. I'll go for it. Voilà, on va zapper tout ce monde-là. Et là, je me rappelle bien, c'est Isaac. Voilà, il va falloir lui tronçonner 42 buissons et 8 troncs d'arbres. Bien évidemment, avec la tronçonneuse qui va bien. Dites-moi dans les commentaires si le son du jeu est pas trop fort vers ma voix. Voilà. Il y a que vous qui pourrez me dire si le son est bon ou pas. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Ah. Bon. Finalement, on a chopé un arbre. Au passage. C'est pas grave, de toute façon, il faut aller le faire aussi. Et moi, j'attaque toujours les buissons, vu que c'est plus long à faire. C'est toujours plus long à faire les buissons qu'autre chose. Enfin forcément, parce qu'il y en a plus. J'ai vu un peu d'arbre. Si l'arbre va bien tomber, ce sera bien aussi. Pas sur moi, ce sera encore mieux. Donc, voilà. Ça, c'est le plus chiant des passages à faire. C'est de courir après les buissons. De faire les buissons, ça, c'est le plus chiant. Il y aura encore d'autres. Il y aura
Et encore d'autres matériels à récupérer, bien évidemment, dans le jeu. Donc on n'a pas encore, fini. Donc j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent toujours. Parce que moi, c'est un plaisir de vous faire ces vidéos-là. Un plaisir de faire les vidéos. Je me suis lancé, comme vous avez pu voir ce week-end, sur des lives. On avait dit qu'on le ferait arriver à 500 abonnés, mais... Vu que vous me paraissez tous sympas, tous les abonnés qui me suivent, qui me lâchent des pouces verts et tout ça. Ah, c'est tellement sympa, tellement gentil. J'ai commencé, je préférerais vous la faire bien avant. Donc sinon, j'espère que vous allez bien, vous allez tous bien, que vous pétez la forme pour ce début de semaine. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez pas le voir malheureusement, le planning des chaînes, des vidéos sur ma chaîne, je vais y arriver, sera changé. Sauf que je ferai les lives le week-end en plus. Ça, on verra bien sur différents jeux. Ça, je vous laisse la surprise et la découverte sur quel jeu qu'on fera. Et pour l'instant, on a commencé sur le jeu, je sais même plus le nom qu'il a déjà celui-là. Le jeu de camion, hein. J'ai fait le live ce week-end. Oh mince, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est horrible. C'est Ah, ça. On voit ça, c'est comme on suit pas le rectangle orange. Ce que ça fait. Non, vous avez pu voir. La tronçonneuse, elle est rangée automatiquement. Le jeu que je vous parle, c'est SnowRunner. Voilà. Qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Hein? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est qui parle. Ah, qui parle maintenant derrière. Hein. La nouvelle mise à jour. Hein. Maintenant, ils peuvent se parler entre eux. He wouldn't do it himself. Je ne suis pas cardiaque. Mais alors, pourrait prévenir quand même. C'est un petit peu drôle quand même. Enfin, c'est pas grave. Donc, là, on est parti pour abattre ces derniers arbres. Et après ça. Après ça, on verra bien si on récupère déjà le matériel. Il va me demander autre chose, ce gus. Je pense qu'il va pas nous lâcher le matériel facilement. Ça va pas changer. Enfin, on le sait ce qu'il y a à faire, mais... Vous pas, encore. Donc... lui, on sait ce qui nous attend. Après, donc comme véhicule, il nous manquera encore le chariot élévateur, le Fenwick, la remorque. Mais non, il faudra une remorque pour les copeaux de bois, bien évidemment. Pour revendre les copeaux de bois à la scierie et les écorces d'arbre, ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez vendre, simplement. Et ça, il faudra voir. Donc. Voilà. Donc là, maintenant, il demande de transporter 18 bûches. Ah ben,
Ben, rassez-le. Je demande de transporter à la main, bien sûr. Là, on va jouer à Sylvester Stallone. Vous allez comprendre de quoi je parle. Là, on peut pas le lever parce que monsieur, il a faim. Donc, on va aller faire manger des pommes. Et voilà. Et voilà. We should just hold on. Un bonhomme assez costaud. Transporter une bûche sur l'épaule. Et voilà, il faut poser encore 17 bûches comme ça là-dedans. Enfin, plus 16. Not my problem. Le jeu, bien évidemment, ne sortira pas encore maintenant en français. Hein. Enfin, on ne sait pas s'il sortira un jour en français. He knew about this before. Parce que pour l'instant, il n'en parle pas. Vu que je suis leur Discord. That's not what I heard. Des créateurs du jeu ont ouvert un Discord. Moi, je me suis inscrit dessus. It's hard to be sure. Pour voir. Et donc, people pour l'instant, say a lot of things. Ils n'en parlent pas. Bah, pour l'instant, ils font plus he de la, do it himself. La réparation des bugs et tout ça qui a à faire avant de commencer d'autres people choses bien plus lourdes things. Dans le jeu. Donc ils se sont lancés aussi dans la création depuis quelque temps d'autres jeux également. Donc pour eux ça doit être un peu dur à suivre. That's not what I heard. C'est surtout dur à suivre faire les mises à jour du jeu, de ce jeu-là, réparer les bugs de ce jeu-là, faire d'autres jeux en même temps, Medieval Dynasty, Trucker Dynasty, Farmer Dynasty. De toute façon, tout ce qui finit en dynastie, c'est eux. Donc, et Medieval Dynasty, je sais pas si je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit, Medieval Dynasty. Is that so? Et enfin, il y a plein de jeux. I've got my own opinion. Bon, il faut qu'ils gèrent tout ça. Donc, Farmer. Is it gonna be any different? Farmer Dynasty, c'est un vieux jeu qui est déjà sorti. Celui-là, moi aussi. Trucker Dynasty n'est pas encore sorti à l'heure où je fais la vidéo. Medieval Dynasty non plus. Is it gonna be any different now? Enfin, il y a ces deux jeux-là qui ne sont pas encore sortis. So what if he did? That's his choice. Donc, c'est sûrement he deals courant with de l'année all the wrong people. Au Medieval Dynasty. Et Trucker Dynasty, ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on a de quoi faire ensemble avec le lundi du Lumberjack, le mercredi du farming, même si je commence à me poser des questions, quelle map faire sur farming, parce que là, j'ai plus trop d'idées, donc Les idées sont les bienvenues. We should just là, je sais pas vos idées sur quel jeu vous voulez qu'on fasse sur Farming Simulator pour mercredi. Parce que je vous avoue que là, je n'ai plus d'idées du tout. I don't think it's gonna change. Pourtant, je regarde souvent pour savoir si la map Valégrist Farm ressort avec les bugs de corriger. So what if he did? That's his choice. Mais bon, le seul problème, c'est que voilà, pour l'instant, elle ne sort pas encore. Elle n'est pas encore sortie avec la correction des bugs. Donc malheureusement, il faudra attendre pour celle-là. Parce que malheureusement, vu les bugs qu'elle a, tout ça, je préfère pas continuer à jouer sur celle-là. Donc, si vous trouvez une idée de map pas trop grande,
pas trop petite non plus. Lâchez vos commentaires. I'm not surprised. Hein? Je vous répondrai. Ça. Maintenant, vous en avez l'habitude. Et je vous réponds tout le temps. À vos commentaires. Donc là, on a fini de ramener les 18 morceaux d'armes. Le restant sera sûrement pour nous. On va récupérer. Do you really believe that? Là, il faut qu'on répare maintenant son bâtiment. We should just hold on. Tout ça pour un porte-grume, ça fait cher. Nobody quand même. Listens to me anyway. Ça fait beaucoup demander pour un véhicule, un plateau tout rouillé jusqu'à l'os. It's hard to be sure. Attends, vous l'avez vu, le plateau est tout rouillé. It's just words. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, il nous le faut. Donc on repart ça. De toute façon, avec moi, vous avez l'habitude, de toute façon, les accélérer, c'est... Faire les accélérer pour les vidéos, ça c'est pas mon fort du tout. C'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'aime pas du tout. Je préfère faire la vidéo ensemble jusqu'au bout, participer, que vous voyez tout ce qu'on fait ensemble. Et c'est pas plus mal. Ouais, chaque youtubeur fait ses vidéos à sa façon. Alors malheureusement, il en faut. Enfin malheureusement, non pas malheureusement, il en faut pour tout le monde. Chaque personne a un style différent de faire leurs vidéos. Mais bon, ça, ceci est un autre sujet. Donc normalement. C'est pas fini. Nobody cares about what he says. Et c'est toujours pas fini. À mon avis, il y a encore l'extérieur à faire. It's just words. Eux qui n'arrêtent pas de parler là dehors. Hein, That's not what I heard. Ils sont super chiants en restant polis, bien évidemment. He knew about this. J'ai un autre before. Mot qui me vient par la tête. Il vient en tête. Mais je préfère pas le dire. Is it gonna be any different now? Donc là, il ne reste plus que le toit à faire. So what if he did? That's his choice. La prochaine mission ne sera pas trop loin. I ain't gonna tell anyone. Ça va pas trop loin à faire. On va récupérer notre échafaudage, bien évidemment. Nobody cares about on what pas he le says. Non plus. On ne peut pas le faire calo ce truc-là. Et Gee, voilà. That's too bad. Ah, ça... All right. Excellent. Et voilà. C'est fait. Il nous donne la remorque en échange, il va nous mettre un coup de pelle lui, je pense. Et voilà, notre remorque porte-grume. Et à nous. Prochaine mission, lundi prochain, se passera, si on peut, on peut le voir, au corps de ferme là-haut, qu'on voyait au fond là. Ça, j'approche pas parce que sinon vous allez voir c'est qu'est-ce qu'on va voir comme véhicule là. Ça, je vous en laisse. La surprise de tout ça. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à mercredi. Ciao, bye bye.